Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo dans laquelle je souhaiterais aborder un petit peu avec vous le prix des camping-cars et est-ce qu'on doit vraiment dépenser des dizaines de milliers d'euros pour trouver un camping-car en bon état. Alors, bien évidemment, je n'ai pas la vérité universelle à vous offrir, mais je vais vous raconter un petit peu moi comment ça s'est passé, puisque bah, j'ai mis quand même deux bons mois avant de, de trouver un bon modèle. Et en fait, le, le problème numéro un, qui va se poser, c'est vraiment le prix et l'état des camping-cars. On est en pleine folie camping car hein. Bon, ouais, je suis mal passé pour en parler puisque moi, ça fait un mois, un, un, un petit mois passé que j'ai trouvé le mien, mais c'est vrai que depuis le Covid, et eh bien il y, a, il y a eu un engouement extraordinaire autour des camping-cars et c'est renforcé en plus par des pénuries de, de matériaux, ce qui fait que quand vous achetez aujourd'hui en octobre 2021 un camping-car neuf, vous n'êtes pas sûr de l'avoir avant juin 2022, voire même plus tard, puisqu'il il y a de très très grosses, de très très grosses pénurie, donc le marché de l'occasion est un bon marché, après je fais partie de quelques groupes sur Facebook euh, donc moi qu ce que j'avais fait en fait pour, pour vraiment chercher, je me suis cantonné uniquement sur euh, Le Bon Coin Puisque dans les concessions, c'était vraiment pas dans mes moyens. J'avais un budget de 10 000 euros maximum. Et euh, je ne pouvais vraiment pas dépasser ça. Puisqu'après, il fallait bien payer la carte grise et compagnie. Et l'assurance. Donc euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ben je me suis fait une, une recherche personnalisée euh, de, euh, de camping-car. Moi, je souhaitais plutôt avoir un Autostar. Je voulais un camping-car à Capucine. Et euh, donc, j'avais un budget de 10 000 euros maximum. Et je me suis cantonné à un cercle. Bon, je regardais un peu dans toute la France. Mais euh, euh, faire 600 ou 700 bornes pour aller voir un camping-car qui... Peut-être ne va pas aller parce qu'il va être soit pourri, infiltré ou autre problème. J'avais pas envie de, de faire ça. Donc voilà, je me suis cantonné plutôt dans un rayon de 150-200 km autour de chez moi. Et je regardais tous les jours, tous les midis, vers, vers 13h30, après, après le repas, pendant la pause café. Et je consacrais à peu près une demi-heure à regarder les nouvelles annonces pour, pour voir un petit peu ce que je trouvais. Et, euh, et donc, euh, eh bien j'avais vu des modèles. Au, au final, j'en ai pas visité beaucoup, hein, puisque j'en ai visité que trois. Euh, le premier, c'était un CI, un Caravane International. Euh, je vous avais dit dans ma première vidéo de cette chaîne hein, qu'il était vraiment pas terrible. J'en avais vu un deuxième euh, à côté de Bordeaux. C'était un Autostar, un 505, je crois, euh, euh, de 1993, mais il y avait beaucoup trop de travaux à faire et il coûtait euh, 9500 euh, euros. J'avais réussi à négocier le prix à 9000, mais ça me, ça me paraissait encore beaucoup trop cher. Et le problème majeur qui se pose, je trouve, en tout cas maintenant, je ne sais pas comment c'était avant, mais, euh, vu que c'est un produit euh, rare, entre guillemets, eh bien, les vendeurs, mais en font des caisses et, euh, il y a énormément de camping-cars qui valent deux fois trop cher. Euh, celui-ci, donc, je, je l'ai payé, euh, je l'ai payé moins de 10 000. Et euh, eh bien, euh, si euh, je, je regarde encore de temps en temps par curiosité, et je vois les mêmes modèles partir à parfois 15 000, 16 000, mais pff, bon, quand même, 2000, c'est pas, il est de 2000, c'est pas un super vieux véhicule, mais c'est pas non plus quelque chose qui date euh, qui date d'hier. Donc euh, voilà, et je trouve que c'est quand même largement abusé de, de, bah, de vendre un véhicule qui a 20 ans euh, pour, euh, pour 20 000, 18 000 euros. Enfin, moi, je serais pas prêt en tout cas à mettre une somme pareille dans un véhicule de cet âge-là. Donc euh, après, c'est vous et votre budget aussi. Hein, si vous êtes euh, si vous êtes euh, décidé à mettre 13 000 euros dans un dans un camping-car qui date de 92, après c'est votre problème. Mais moi personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais puisqu'il y a quand même des frais à faire. Euh, plus ça vieillit, ça reste voilà une voiture et une cellule. Il faut euh, il faut faire des petits travaux soi-même. Alors si vous bricolez, c'est un peu le message aussi que je souhaitais faire passer. Si vous bricolez, vous pouvez largement trouver votre bonheur à moins de 10 000 euros vous trouverez des camping cars un petit peu de, de, de toutes marques alors de mes recherches moi j'éviterai quand même euh, tout ce qui est euh, les premiers euh, les modèles qui à l'époque étaient de premier prix, donc tout ce qui est Challenger, euh, les chaussons Welcome et compagnie, euh, surtout à Capucine, parce qu'en général les Capucines ont au moins pris l'eau, voire sont complètement pourries, donc c'est quand même assez compliqué. Euh, dans les marques que j'ai vues, c'est pareil, Caravan International euh, de cette génération-là, c'était pas très ouf, et euh, par contre tous les autres que j'ai pu voir avaient l'air en bon état, après c'est pareil, j'en ai visité que 3, j'en ai pas visité 50, mais, euh, mais voilà, donc... Euh, toutes les marques peuvent avoir des problèmes d'infiltration et je dirais même que dans une vie d'un camping-car, toutes les marques auront un problème d'infiltration. L'essentiel c'est de vraiment euh, intervenir à temps ou de, de pouvoir un petit peu euh, anticiper les dégâts euh, potentiels. Celui-ci d'ailleurs, quand je l'ai acheté, j'avais pas, j'avais absolument pas vu ça, mais j'avais une soute euh, qui, était, euh, qui était complètement infiltrée au niveau euh, du tasseau. Donc euh, bah, voilà, on a changé un tasseau, on a remplacé la, la porte de soute qui était euh, qui était fêlée et qui laissait passer l'eau et depuis voilà, il n'y a plus de problème et c'était juste un tasseau. Voilà euh, le Mur et le plancher n'avaient pas pris, mais bah voilà, ça veut dire que même après un examen minutieux, quand on euh, visite un camping-car, on peut pas toujours tout voir. Pourtant, j'étais allé dessous, j'avais tout regardé, mais voilà, ça, ça m'avait euh, vraiment échappé. Et euh, je dirais que c'est normal. Et je pense d'ailleurs que le propriétaire n'était même pas au courant, puisque bon, c'était quelqu'un de très honnête et, et j'avais vraiment pas de doute sur l'état général du camping-car. Mais voilà, c'est des, euh, des, euh, des, des, des véhicules bah, qui peuvent prendre l'eau. à l'intérieur, c'est du bois, donc le bois et l'eau, bah, ça fait pas bon ménage. Donc si vous ne réparez pas euh, relativement rapidement,

eh bien ça peut faire de gros dégâts. Donc si vous n'êtes pas bricoleur, franchement je ne vous conseille pas de prendre un camping-car à moins de 10 000 euros. Personnellement j'y connais absolument rien en mécanique, mais pour tout le reste, eh bien je peux me débrouiller. Donc euh, la petite mécanique ça peut à la limite le faire, mais je ne vais pas me lancer dans un changement d'embrayage par exemple. Mais bon, faire une vidange et contrôler les phares, changer les essuie-glaces, enfin des conneries comme ça, changer une batterie, il a pas de souci. Après en termes d'électricité, bah j'ai mon papa qui gère, euh, qui gère super bien, même pour euh, réparer la soute, hein, tout ce qui est bricolage. Je prends des cours du coup, c'est super agréable aussi et puis euh, voilà si euh, si vous ne savez rien faire et eh bien euh, et vous n'avez surtout envie de rien faire parce que c'est pas compliqué il suffit juste de s'y mettre et eh bien ne choisissez pas un modèle à moins de 10 15 000 euros euh, pff, même 15 000 hein, il ya des sacrés euh, il y a des sacrés engins qui roulent encore quand même qui sont euh, pas tout jeunes et pas en très très bon état donc euh, voilà un petit peu ensuite euh, c en fait c'est un peu ça que, que je souhaitais aussi faire transparaître dans cette vidéo c'est que peu importe les budgets, bon après quand on descend vers 5, 6, 7 000 euros euh, franchement j'aurais pas trouvé, hein, c'était euh, après euh, des trop de frais, ou, enfin moi ça me convenait pas en tout cas, encore une fois là c'est des très très gros travaux de mécanique ou de bricolage, ça dépasse vraiment mes compétences et euh, ce qui est assez exceptionnel c'est que même à 15, 20 000 on arrive à voir des camping-cars qui euh, qui sont en mauvais état même à 25 000 et même à 30 000 donc c'est pour ça qu'il faut aussi euh, pas forcément se focaliser sur euh, un budget, une marque mais Faites vraiment les choses dans l'ordre, c'est-à-dire est-ce que vous voulez une capucine, est-ce que vous voulez un camping-car qui est grand. Euh, si vous n'en avez jamais eu, et eh bien essayez de, essayez d'aller de, en visiter parce que vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de, de ce que représente une taille, une taille en longueur d'un camping-car. Moi perso, j'en avais jamais eu, jamais vu. Donc le premier dans lequel je suis rentré, c'était un 5 m 80, quelque chose comme ça. Oh, je suis rentré dedans, je fais non non, c'est mort, c'est trop petit quoi. Pour ce que je voulais en faire, c'était vraiment vraiment beaucoup trop petit. Et celui-ci à 6 ,50 mètres 50 avec une capucine, voilà, moi c'est vraiment ce que je recherchais, et avec une salle de bain avec douche séparée, et un salon en rue, mais ça c'était le comble, le comble du coup de bol donc euh, voilà, il faut aussi voir euh, vos besoins, qu'est-ce que vous voulez en faire euh, il ne faut pas non plus trop se focaliser je pense sur les accessoires il vaut mieux que la cellule soit en bon état et qu'il soit un peu moins équipé, c'est à dire euh, peut-être pas forcément des panneaux solaires, des grosses batteries et, et un gros convertisseur euh, 12-220, mais plutôt avoir une cellule en bon état et une mécanique saine avec un contrôle technique où il n'y a pas beaucoup voire pas du tout de défauts, je pense que c'est plus important puisque tout ce qui est accessoire, vous allez pouvoir l'acheter et euh, l'installer plus tard de toute façon donc euh, moi c'est ce que je m'étais donné en fait comme, euh, comme, euh, comme mot d'ordre je voulais quelque chose qui, euh, qui soit en bon état mécanique euh, en état cellule j'étais moins exigeant parce que je savais que ça se réparait de manière c'est pas dur en fait à réparer hein, une cellule d'un camping car c'est juste que ça prend du temps rien que changer un tasseau voilà dans la soute ça nous a pris l'après-midi donc euh, c'est euh, voilà mais enfin c'est c'est pas des choses qui sont difficiles à faire on enlève le bois pourri on le remplace et puis on resolidarise le tout et c'est parti euh, donc voilà un petit peu euh, mes conseils après, euh, vraiment, euh, on peut parler de coup de chance, mais je pense aussi que c'est euh, toutes les heures que j'ai euh, investies dans cette recherche, c'est qu'il faut savoir qu'un camping-car qui est proposé au bon prix, Enfin, pour moi, le prix du marché, euh, comme celui que j'ai acheté euh, selon moi, au prix du marché et pas euh, une fois et demie trop cher ou trois fois trop cher, et eh bien ça va être euh, vendu dans les deux, trois heures après la mise en, la mise en ligne. Donc si vous appelez un, un vendeur de camping-car euh, avec un modèle qui coûte, euh, qui coûte euh, pas trop cher, soit le truc est en super mauvais état, vous allez aller le voir et vous allez faire demi-tour, soit aussi euh, eh bien, il va être vendu au, au prix du marché, et là eh bien vous allez téléphoner en, en troisième position et c'est mort, quelqu'un l'aura pris avant vous, ça mérite. Trois fois déjà, donc euh, voilà. Il y en a deux super qui me sont passés sous le nez et, euh, et celui-ci j'ai eu la chance d'être euh, le premier. Donc euh, c'est pour ça que je vous dis n'en euh, faites pas non plus une obsession, mais regardez une fois par jour, vous vous gardez une demi-heure et euh, selon vos, vos critères, euh, voilà, ça finit par tomber. Moi, ça a pris euh, ça a pris deux mois, enfin peut-être même un peu moins de deux mois parce que j'ai vraiment vraiment cherché pendant on va dire euh, cinq semaines à peu près. Et, euh, et voilà quoi. Donc euh, ne pas désespérer, euh, même s'il n'y a pas énormément de camping-cars sur le, sur le marché à des prix euh, corrects, il y en a quand même. Euh, voilà voilà. Et pourquoi aussi je vous recommande de ne pas aller trop loin parce que on risquerait d'avoir cet effet. Euh, la flemme, celui-là je peux le ramener, mais j'ai fait 600 bornes, il me plaît pas trop, mais bon, si je reviens bredouille, euh, voilà quoi. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller autour de chez vous, et bien euh, partez du principe que le premier sera pas forcément le bon et que peut-être que vous allez en visiter 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, avant de vraiment tomber sur votre perle rare, puisque la perle rare d'une personne n'est pas forcément celle d'une autre puisqu'encore une fois, on en revient toujours au même, savoir est-ce que vous recherchez et quels sont vos critères. Donc voilà un petit peu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, en tout cas dans les commentaires, même si euh, je, je, je n'ai pas encore une expérience euh, très très grande, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup potassé le sujet avant de me lancer dans, dans de la recherche, et là maintenant, voilà, ça fait plus d'un mois que j'en ai un, donc euh, je commence à, à gérer un petit peu les, les principes de tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, euh, et puis bah, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde